je m'appelle Marie Zaya et en fait j'ai 42 ans. J'ai 3 enfants et je suis aujourd'hui au RSA. Le RSA avec les allocations familiales, ça me fait à peu près dans les 700 euros par mois. Ma principale difficulté est de réussir à nourrir mes enfants. C'est la première des choses à moi qui me tracasse. Je suis obligée de ne pas payer quelque chose pour pouvoir nourrir mes enfants. C'est-à-dire des factures que je laisse passer et puis je paye quand j'ai l'argent. Oui, dans le Merci d'être là. Bonjour. L'objet de cette conférence de presse, c'est de rendre public un sondage d'opinion sur la situation des femmes en France. Et malheureusement, ce sondage vient confirmer ce que nous vivons sur le terrain au secours populaire, c'est que la situation des femmes est encore plus dramatique que celle des hommes. Toutes les réponses aux questions qui ont été posées montrent qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont frappées par le mal-vivre. Les principaux enseignements de cette enquête, c'est tout d'abord une aggravation quand même de la précarité, puisqu'on a de plus en plus de Français qui ont connu une situation de précarité, 41% quand même, et ces chiffres sont en augmentation, donc c'est le premier constat que la pauvreté touche de plus en plus de personnes. Et puis cette année, on a voulu faire un focus sur les femmes, et on s'aperçoit que les femmes connaissent un certain nombre de difficultés financières, et notamment celles qui élèvent seules leurs enfants. Au quotidien, elles doivent faire face à de nombreuses difficultés, que ce soit pour se loger, se vêtir ou même parfois de manière plus dramatique se nourrir ou même accéder aux soins. Que ce soit financièrement, que ce soit au niveau alimentation, au niveau ce qu'ils ont fait maintenant.